Hey yo les amis, c'est Deko et j'espère que vous avez la forme, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit retour sur le jeu Sky Saga. Allez, c'est parti. Bon et bien les amis, comme je vous l'ai dit, on se retrouve pour reparler un petit peu de Sky Saga. Hein, parce que j'avais déjà fait une pseudo-série, on va dire, il y a un mois sur ce jeu. Sauf que le jeu est passé en Alpha 6, et la dernière fois c'était sur l'Alpha 5, donc il y a eu pas mal de nouveautés. Oui, je sais, le jeu est toujours en Alpha, et je ne sais pas trop ce qu'ils foutent en fait, je ne sais pas pourquoi ils vont aussi loin dans les Alpha. En tout cas, voilà, j'ai envie de vous reparler un petit peu de ce jeu parce qu'on est beaucoup plus nombreux qu'il y a un mois. On est aujourd'hui 360, donc encore merci à vous. Et du coup, il y a plein de gens qui, je pense, ont envie de découvrir ce jeu. Et pour ceux qui le connaissent déjà, eh ben, ça va vous permettre de savoir ce qui est arrivé en plus sur le jeu. Et peut-être ça va vous donner envie d'y refaire un tour si vous l'avez déjà installé ou justement d'y faire un tour pour la première fois. C'est pour ça que j'avais envie de vous refaire un petit retour sur ce jeu. Voilà, juste avant de commencer, petite dernière chose, l'épisode du Triangle des Bermudes qui devait sortir aujourd'hui ou demain ne sortira pas parce que Oxy n'était pas disponible, on n'a pas pu se capter pour faire la vidéo, donc c'est pour ça que je vous mets cette vidéo là en ligne aujourd'hui, c'est parce que elle se rapproche pas mal de Minecraft, mais bon, vous comprendrez pourquoi. Allez, je vous promets de commencer tout de suite. Bon, et bien, Sky Saga est donc un jeu de type bac à sable, pour ceux qui ne connaissent pas. En fait, c'est un petit peu un mélange entre un MMO et le Minecraft qu'on aurait de base. Sauf que le jeu est beaucoup plus beau, en fait. Beaucoup plus beau que Minecraft de base, hein, sans parler des shaders, tout ça. Le jeu est vraiment sympathique, il ne demande pas beaucoup de ressources pour tourner. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette alpha est totalement gratuite et comme ça fait super longtemps qu'elle est en route, je vous propose vraiment de vous créer un compte et de l'installer parce que ça vous fera tout simplement de bons moments à passer sur ce jeu et c'est gratuit quoi. Donc ça fait plaisir et franchement, pour ce qu'il y a dans le jeu, ça vaut le coup, je vous conseille totalement de le faire. En tout cas, pour commencer, on va faire ça en plusieurs parties, donc je vais vous expliquer un petit peu comment se déroule le jeu. Dès que vous allez l'installer et que vous allez pouvoir commencer à jouer, il va falloir vous créer un personnage. Mais attention, il y a possibilité de créer un personnage par compte. Oui, ça c'est un petit peu chiant, hein, mais bon, le jeu est en alpha, je pense que ça, ça changera plus tard. Donc en tout cas, faites gaffe, hein, faites vraiment gaffe au choix de personnage que vous faites. Pour la création, c'est assez simple, hein, vous arrivez sur le menu avec les différentes races, hein, donc chat, lézard, humain, etc. Donc il y a plusieurs races qui vont arriver par la suite, là il n'y en a que 4 pour l'instant. Et franchement la personnalisation est assez sympa, il y a déjà pas mal de choses, hein. Bon c'est pas foufou mais il y a déjà pas mal de choses. Et c'est vraiment stylé et je trouve que les skins sont vraiment sympathiques, ça rentre vraiment dans le style du jeu. Et je trouve ça vraiment mignon, c'est vraiment bien foutu, donc vous pouvez mettre le pseudo que vous voulez, mettre la couleur que vous voulez, la coiffure, etc. Et ça rend vraiment bien, voilà. Donc la personnalisation est assez banale et rend vraiment bien, c'est vraiment un MMO. Dans le style, on va dire, restreint, parce qu'il n'y a pas autant de modifications qu'on pourrait faire dans un MMO qu'on a l'habitude de voir. Voilà pour la partie création du personnage. Bon, et bien les amis, après avoir créé votre personnage et avoir choisi le biome dans lequel vous voulez apparaître, c'est tout simplement maintenant que votre aventure commence. Alors, pour la petite histoire, vous êtes écrasé donc sur une île avec votre dirigeable. Et vous êtes écrasé non pas sur n'importe quelle île, mais sur une île flottante. Alors, merci, pas de blague avec les desserts. Mais en fait, c'est là que tout commence, parce qu'il va falloir un petit peu faire comme dans Minecraft. Hein, c'est ça qui fait penser à Minecraft, c'est que vous allez commencer dans une survie banale cubique. Donc il va falloir récupérer des ressources, des minerais, de la pierre, etc. Bien sûr, le design du jeu est plus beau que le Minecraft de base. Et bon, comme je vous l'ai dit, il faut commencer une survie, donc récolter du bois, ce qui va vous permettre donc de crafter des choses, exactement comme dans Minecraft, ou comme dans n'importe quel jeu de survie. Ça va vous permettre de crafter des haches, tout ça. Et c'est là que l'Alpha 6 rentre en jeu, parce que c'est là qu'il y a pas mal de nouveautés. Donc pour ceux qui ont suivi la petite série que j'avais faite il y a un mois, vous allez voir qu'il y a plusieurs établis qui sont arrivés, de nouveaux crafts, ce qui va vous permettre sûrement de faire de nouvelles armes et de nouveaux outils. C'est là que justement l'Alpha 6 a rajouté du contenu avec aussi les aventures dont je vous parlerai après. En tout cas voilà, c'est là que c'est assez intéressant et donc avec les outils et les armes que vous pourrez que vous aurez crafté, vous pourrez ensuite récupérer des blocs. Et c'est là que le côté créatif du jeu arrive à pleine vitesse. Voilà, vous pourrez récolter des blocs, donc des blocs de pierre, des blocs de terre, des blocs de bois, ce qui va vous permettre de faire n'importe quelle construction.
Et la grosse différence qu'il y a par rapport à Minecraft, c'est qu'on peut tout simplement crafter des meubles, sans mode, sans rien. Les meubles sont directement là, donc il va falloir les trouver soit en payant avec l'argent du jeu, soit en trouvant les meubles, enfin les recettes de meubles dans les différentes aventures dont je vous parlerai après, voilà. Donc c'est là que le côté créatif arrive, et franchement il y a pas mal de trucs à faire, c'est vachement complet, et le jeu a un design qui est vraiment sympathique, c'est pour ça que le jeu est vraiment intéressant, il y a déjà pas mal de contenu. Alors voilà, c'est comme ça qu'on démarre son aventure, et je vous conseille vraiment, c'est de vous amuser, de créer des choses, de prendre votre temps, parce qu'il y a vraiment plein de choses à faire. Voilà, maintenant on va s'intéresser un petit peu plus au côté aventure du jeu. Alors, le jeu s'appelle exactement Sky Saga Infinite Isle. Alors c'est tout simplement parce que, en fait, le nombre d'îles, enfin, Infinite, je ne sais pas trop, mais en tout cas Isle, parce que vous aurez compris que c'est des îles flottantes. Toujours pas de blague avec le dessert. Et en fait, la partie intéressante du jeu, c'est qu'il y a des aventures à faire. Donc comme je vous l'ai dit, vous allez atterrir sur votre île, etc. Vous craftez vos objets, patati patata. Et vous allez avoir un portail sur votre île qu'il faudra activer avec une pierre aventure. Donc vous avez des pierres faciles, moyennes et difficiles. Et chaque pierre ouvrira une aventure bien spécifique sur une autre île, un autre biome, que ce soit désert, forêt, etc. Et c'est là que prend tout le sens de ce jeu, parce qu'il va falloir faire ces aventures pour récupérer des nouvelles pierres, etc., découvrir de nouveaux minerais, gagner de l'XP, remplir des quêtes, etc. Et chaque aventure va disposer de nouveaux mobs, de nouveaux boss, et franchement, c'est vraiment bien foutu. Le PvE est sympa, vous allez vous prendre des masses et des masses de mobs dans la tronche, et je peux vous dire qu'il y a pas mal d'actions. Donc vous allez arriver sur une île d'une pierre, par exemple moyenne, hein, on s'en tape totalement, et il va falloir récupérer les coffres qui vont vous donner des recettes pour crafter de nouveaux objets, que ce soit des meubles, des armes, etc. Vous allez pouvoir trouver de nouveaux emblèmes, vous allez pouvoir trouver de la nourriture, et dans chaque île aventure, vous allez trouver un portail qui soit sera protégé par un boss, soit sera protégé par des pseudo mini boss. Mais en tout cas, à chaque portail, il y aura un coffre qui sera le coffre de fin d'aventure. Et dedans, vous trouverez des objets intéressants, que ce soit des grosses armes, des objets rares, des parchemins, des trucs et des bidules. Et c'est là que prend tout le sens du jeu, parce que à chaque fois qu'on part en aventure, on a vraiment hâte de trouver ce coffre, parce qu'il y a vraiment des trucs super intéressants à avoir. On a toujours envie d'avoir la meilleure arme, de trouver de nouveaux emblèmes, de nouveaux trucs à construire. Et c'est franchement intéressant, c'est là que ça rajoute plein de trucs au jeu, parce qu'on se dit... Ah, j'ai récupéré une recette, je vais pouvoir faire une maison, mais de ouf quoi, parce qu'il y a plein de meubles à découvrir. Excusez-moi. Et c'est là que le jeu prend tout son sens, et franchement, ça rend le jeu vraiment complet, vraiment sympathique. Et la grosse nouveauté de cet Alpha 6, c'est que ils ont rajouté plein d'aventures, ce qui était assez dommage dans les précédents Alpha, parce qu'on avait, nous, après plusieurs heures de jeu, on avait fait le tour de toutes les aventures, donc c'était un petit peu relou à force. Et là, ils en ont rajouté, donc je peux vous dire que vous en avez pour un petit moment, si vous voulez saigner le jeu entièrement, quoi. Voilà, donc ça, c'est pour la partie aventure du jeu. Bon, et bien, dernière partie à aborder du jeu, c'est la partie la moins... terrible, on va dire, elle est vraiment pas top. C'est l'aspect PVP du jeu, parce qu'il y a une arène dans ce jeu qui est en fait la guilde des gladiateurs qui vous propose des combats d'arène, donc des captures de drapeaux ou des matchs 1v1 et sûrement d'autres trucs. Le problème, c'est que le PVP est totalement mou. Oui, on a fait deux parties et c'est les deux seules parties qu'on a fait. Oui, parce que franchement, le jeu côté PVP est vraiment pas terrible. Déjà, c'est celui qui a la meilleure arme qui va défoncer tout le monde. Et. Puis je sais pas, c'est mou, il n'y a pas enfin franchement c'est pas terrible. Je trouve que c'est pas un jeu qui est fait pour le PVP, du moins pas autant que Minecraft pourrait l'être. Et je trouve que vraiment le côté PVP du jeu est vraiment pas terrible, c'est vraiment pas un truc qu'on a envie de faire et refaire. Néanmoins, faites-le quand même, parce que ça va vous permettre de débloquer certaines quêtes, de récupérer des armes, de l'argent, donc faites-le quand même. Mais c'est pas la partie la plus emballante du jeu, je vais pas vous le cacher, c'est vraiment pas terrible terrible, voilà. Donc c'était la dernière partie abordée du jeu, hein. J'ai pas grand chose à vous dire dessus parce qu'elle est vraiment pas top et que j'y suis pas resté longtemps. Néanmoins, j'espère pour les nouveaux qui sont sur la chaîne, je vous ai fait découvrir pas mal de choses. Enfin, du moins que je vous ai fait découvrir le jeu et que ça vous donne peut-être envie d'y jouer, hein, sachant qu'il est totalement gratuit.
Bon, j'ai pas pu le mettre dans un free test parce que c'est un jeu qui est en alpha. Il est gratuit parce qu'il est en alpha. On sait pas encore s'il sera payant le jour de sa sortie. C'est pour ça que je pouvais pas le faire le mettre dans un free test, parce qu'on sait pas encore si le jeu sera free to play. Voilà. En tout cas, pour ceux qui sont déjà là et qui connaissaient déjà le jeu, eh ben, j'espère que je vous aurai donné des nouveautés, enfin que vous aurez appris les nouvelles choses qui sont arrivées. Ça vous aura peut-être donné un peu plus envie, enfin redonné envie d'y jouer si vous l'avez déjà installé. Si c'est le cas, ben, je suis content, ça me fait vraiment plaisir. En tout cas, ben, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Et on se retrouve donc pour de prochaines aventures. Allez, ciao tout le monde.